D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'attaque avec des armes de nature biologique dans la période récente. La SIAV, c'est un instrument de non-prolifération qui maintenant jouit de l'adhésion de 180 États. Donc c'est un instrument quasi universel. C'est un instrument d'interdiction totale. Donc les États qui ont signé cet instrument se sont engagés à ne jamais développer ce type d'armes, les armes biologiques, de ne jamais les utiliser, de ne jamais les transférer ou les stocker, sans organisation chargée de vérifier l'engagement des États. Par contre, il y a un cycle de réunions annuelles que la France préside cette année, où les experts du monde entier se réunissent à Genève pendant 2 semaines pour trouver un accord entre les États parties sur différents sujets. Ça nécessite un accord entre les États et de renforcer une coopération efficace pour faire en sorte que cette norme ne reste pas qu'une simple norme, mais une norme opérationnelle et efficace.